Bonsoir, alors ce soir c'était la première de TPMP People présentée par Monsieur Delormeau. Donc il y avait plein de chroniqueurs, ils étaient 8. Alors, vous avez donc appris de Benayoun. Donc alors, je pense que elle est apprentie chroniqueuse, hein, parce que je crois que ça fait que 2-3 jours qu'elle est là. Donc elle est jolie, elle a un joli sourire, mais bon, je crois qu'elle a besoin de pas mal de temps. Bon après, donc là vous avez le journaliste de Closer. Bon, on va dire que lui doit bien connaître son métier. Idem pour ce monsieur Jean-Michel Merz. On a l'impression qu'il a dû téléphoner. Oh, dis-moi, t'as pas un boulot là parce que il faut que je me il faut que je me paye mes nouveaux cheveux. Donc je sais pas. Après donc bon, c'est plus du quelque part du copinage. Après bah là vous avez la surprise. Hein, c'est Hugo Manos que je ne connaissais pas, chef d'entreprise et influenceur. Regardez la belle bête. Ben oui, mais les filles, calmez-vous. Il vient d'annoncer qu'il était homosexuel. Mais bon, il a un look. Et puis, ben, vous avez aussi Laurent Fontaine, donc producteur des émissions des années 90. Donc après, qu'est-ce que vous en pensez? Après, c'est à vous de voir. Bon, à part 2-3 personnes, bon, je trouve que Laurent Ruquier choisit beaucoup mieux ses chroniqueurs que Cyril Hanouna. J'ai l'impression que Cyril Hanouna, c'est plus du copinage qu'autre chose. Voilà, tout simplement, mais c'est pas très important. Allez, à plus tard.